Aujourd'hui, c'est la remise des médailles pour le concours des meilleurs apprentis de France. On est à Roche-la-Molière, au château. Alors, on est dans un très joli cadre. Allez, c'est parti, on rentre. Messieurs, chers candidats, un petit peu de quelques informations. Cette année, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 541 candidats se sont inscrits dans 64 métiers. Pour la Loire, 50 candidats se sont inscrits. Malheureusement, il n'en reste que plus que 37, puisqu'il y en a qui ont abandonné, puis il y en a qui ont été éliminés par manque de, on va dire, de savoir, peut-être aussi, manque un petit peu peut-être de concentration. Et donc, c'est ce qui fait que, ben, ma foi, ils n'ont pas été élus. Par contre, ceux qui ont moins de 21 ans et qui souhaitent s'inscrire à nouveau, les inscriptions seront ouvertes le 15 octobre. Ils peuvent prétendre à nouveau s'inscrire. Je sais qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires, notamment chez les Compagnons à Saint-Étienne. Il y a le BTP CFA aussi qui inscrivent tous les ans énormément de candidats. Donc, ce qui fait que c'est très bien. Et puis, il y a quelques candidats qui viennent comme ça, qui s'inscrivent parce qu'ils ont envie. Et puis, bien souvent, ils réussissent. Alors, on va procéder à la remise des diplômes et médailles. Dominique, tu vas passer les diplômes, s'il te plaît. Donc, on commence toujours par les médailles de bronze. Alors, les collègues meilleurs de France, vous allez remettre les diplômes et les personnalités, si vous le voulez bien, vous remettrez les médailles. Donnez pas la vôtre. Hein. Voilà, je peux aussi, des fois, j'ai bien envie. Alors,